Ce sont de drôles de types qui vivent de leurs plumes ou qui ne vivent pas, c'est selon la saison. Ce sont de drôles de types qui traversent la brume avec des pas d'oiseaux sous l'aile des chansons. Leur âme est en carafe sous les ponts de la Seine, leurs sous dans les bouquins qu'ils n'ont jamais vendus. Leur femme est quelque part au bout d'une rengaine qui nous parle d'amour et de fruits défendus. Ils mettent des couleurs sur le gris des pavés. Quand ils marchent dessus, ils se croisent sur la mer. Ils mettent des rubans autour de l'alphabet et sortent dans la rue leurs mots pour prendre l'air. Ils ont des chiens parfois, compagnons de misère, et qui lèchent leurs mains de plumes et d'amitié, avec dans le museau la fidèle lumière qui les conduit vers les pays d'absurdité. Ce sont de drôles de types qui regardent les fleurs et qui voient dans leurs plis des sourires de femmes. Ce sont de drôles de types qui chantent le malheur sur les pianos du cœur et les violons de l'âme. Leurs bras tout déplumés se souviennent des ailes que la littérature accrochera plus tard à leurs spectres gelés au-dessus des poubelles où remoueront leurs vers comme un effet de l'art. Ils marchent dans l'azur, la tête dans les villes, et savent s'arrêter pour bénir les chevaux. Ils marchent dans l'horreur, la tête dans les îles, où n'abordent jamais les âmes des bourreaux. Ils ont des paradis que l'on dit d'artifice, et l'on met en prison leurs quatrains de 10 sous, comme si l'on mettait au fer un édifice sous prétexte que les bourgeois sont dans les goûts.